Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure horrifique sur Dead Space avec, et Dead Space le remake, évidemment avec l'épisode 12. Et on est reparti avec Isaac, évidemment. Souvenez-vous, on était tombé sur une pièce remplie de sortes de tubes avec des réacteurs. Clairement, dysfonctionnement, comme ils le disent, thermodynamique, n'est-ce pas? Et j'étais mort, brûlé vif, et ça c'était quand même relativement terrible, on va pas se mentir là-dessus. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire. Néanmoins, je sais presque ce qui m'attend, et ça s'annonce quand même assez sportif. Donc souvenez-vous, il faudra casser ça à chaque porte. Mais ça, je peux pas l'emmener, les gars. Ça, je peux pas l'emmener, je pense. C'est mort. Ok. Oh, la vache. Bon, alors, quitte à prendre des coups. Ok. Ok, on va retourner là, tranquille. Et il me semble que c'était là qu'il y avait fight, non? Il me semble que c'était là-bas que ça se battait. A voir, à voir, à voir. Je vais tenter un petit... Go. Je comprends pas. Attendez, je comprends pas. Ah! Oh! Oh, je me suis chié dessus, wesh! Mais d'où il vient, lui, frère? Oh, les bâtards! Je me suis chié dessus. Oh là là! Oh, c'est historique! Oh, l'angoisse! Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et là, ils sont plus là! J'ai mangé ceux qui m'avaient attaqué. Oh, c'est terrible. Oh là là. Non, mais j'ai encore le cœur qui bat de fou. Je m'y attendais pas du tout. Oh, quel enfer. Oh non, c'était angoissant. Hein. Oh, je le souhaite à personne. J'espère que, comme moi, vous avez évidemment tremblé. Ok, on en est où? On est juste à l'autre bout, très bien. Oh, ça je prends. Je prends parce que les amis, niveau munitions, c'est catastrophique. Ok, je dois aller à droite néanmoins ici. Il y a une sorte de porte. Ok. On va tranquillement se poser ici, mon ref. Ok. On va prendre ça. Allez, je vous laisse lire. Mettez pause, évidemment. Ok. Ouais. Là, c'est pour repartir de l'autre côté, je suppose, c'est ça. Oh. Ok, je l'avais pas vu. Superbe. Alerte. Dysfonctionnement des bon. Éloignez-vous des conduits. Parfait. Merci, au revoir. Très bien. On a quelque chose à gauche. On a aussi quelque chose tout droit. Je vais aller check de ce côté-ci. Oh la vache. Il y a un monde où on n'aura rien à faire là-dedans. Je suis pas sûr. Il y a un ascenseur, mais on sait pas où il monte. J'ai bien compris que dans Dead Space, c'était pas comme dans Callisto Protocol pour le coup. Oui, oui, j'ai compris les gars, il y a un dysfonctionnement. Oh! Allez, ça c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Et ça je prends. Ça je prends. Ok. En vrai de vrai, les amis, est-ce que c'est pas mieux maintenant peut-être de prendre la scie, non? Où est mon lance-scie? Parce que là, je suis presque sidéré. Non, vas-y, ça a pas l'air mieux. Ça
ça a pas l'air mieux, tant pis, on va rester ici un petit peu, on va rester avec ces armes là. Taisez-vous, taisez-vous. Ok. Éloignez-vous des conduits de filtration. Très bien, cette fois-ci il faut passer par ici. Ouais non, là t'abuses pas un peu toi, t'as juste pas l'impression d'abuser. T'es pas un abuseur toi. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bon, début d'épisode, je peux vous dire que ça swing. Et en plus c'est ma musique préférée. Bizarre ça, hein. Je me souviens plus du tout du jeu. Oh, je me suis chié dessus. Ah, on est de retour. Souvenez-vous. Envoyer cette saloperie dans l'espace, mais what? Entrée en zéro gravité. Ok. Eh, hey, je suis zéro serein. En vrai, je... Il y a moyen, il y a... Pourquoi je prends l'ascenseur alors qu'il n'y a pas de gravité, sa mère? Ça n'a pas de sens. Ok. Les amis, j'aimerais beaucoup save. Déjà, je ne vais pas mentir. Waouh, c'est... Je m'attendais pas aussi puissant, frère. Hein. Y a pas une save, là, s'il vous plaît? C'est pas que je me caca culotte, mais je me caca culotte de fou furieux là, les gars. Ouais. On sait jamais. Oh là là. Ok. Eh les amis, j'ai pas save depuis une éternité, hein. Eh, j'ai peur, hein. J'ai peur de fou. J'ai tracé. J'ai tracé, j'étais abserin. Oh là là. Les amis, laissez-moi save, s'il vous plaît. I need save, please. Est-ce que c'est là où il y a... Ouais, ok. Bougez pas, les amis. J'ai besoin de me concentrer très fort. Tenue. Ok, tenue, on est quasi au max. Culture Plasma, on l'utilise plus. Arme d'assaut, c'est pas dégueu. Mais bon, augmente la cadence de tir. Putain. Ah, c'est plus les dégâts qui me plairaient. Oh, le découpeur. Découpeur, on l'utilise plus tant que ça. Lance-flamme, en vrai, il y a un monde où on l'utilise de fou. Mais là, c'est le trancheur que j'ai principalement. Vous savez quoi? Trancheur, on augmente un peu.
Allez, on augmente un petit peu de tout, jusqu'au moins les dégâts. Ok. Au moins, nous n'aurons rien à regretter. Ok, ok, ok. Bon, bah, je suis passé à 6, je crois. Ok. Non, vas-y, bats les couilles. Toujours pas de save, les amis. Hein. Toujours pas de save, les amis. Waouh, je suis pas serein. S'il y a une save ici, superbe. Ok, bon. C'est là où on devrait aller affronter le boss des boss. Ok. Oh la vache. Bon, allez, si on perd, c'est pas grave, on aura essayé. Ah, ah, on va être dans l'espace. Merde, le sac est ouvert, mais le Léviathan est trop puissant. Il s'accroche dans les garde-manger. Il nous faut plus d'enzymes. Baldor, j'y vais. Je pourrais peut-être le décrocher. Le Léviathan pèse 10 kilotonnes. Il faut vraiment que je vous explique que c'est une mauvaise idée. J'en ai pas d'autre. Alors on doit faire avec. 10 kilotonnes. D'accord, j'ai pigé. Oh non, t'as de bousse. Non, c'est ça. Oh non, trop fort. Trop fort, ils ont gagné. Ils ont gagné, ils ont gagné, on va devoir recommencer les amis. Oh non, les bâtards. Je fais que le bourré de touche, putain de merde.
Viens là. Désolé, je prends son cadeau. Ok. Oh, c'est dingue. Oh, c'est trop. Comment vous voulez? C'est dur, c'est dur. Ok, bon, j'ai compris. L'arme qui était, je suppose, I suppose, la plus utile, c'est le mon sort de trancheur. Par contre, je pense que j'ai des armes qui, dans ce cas de figure-là, ne me servent sûrement pas à grand-chose. Le lance-flamme, genre, totalement inutile. Donc, à la limite, je préfère mettre le lance-disque, ce qui me paraît un peu plus normal. Et maintenant que j'ai compris, je pense que j'aurai assez de munitions. Ah non, 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 ça c'est pas le lance-disque. Erreur de ma part. C'est ça le lance-disque, le découpeur. Ah, j'ai pas assez de balles. Pas assez de balles. J'ai pas assez de balles, mais c'est pas grave, on n'a pas trop le choix, parce qu'en soi. Très bien.
je savais pas ça. Ok. Ah. C'est bon? Oh non, ça s'arrête pas ou quoi? Ok. Oh, let's go. Let's go. Désolé, j'ai pas beaucoup parlé. Mais le jeu est tellement tendu. Eh, dites-moi qu'il n'y a plus rien là. J'ai fusillé toutes mes munes de tout. Oh, attends. C'est quoi ça? Ça c'est rien. Ok. Et ben on est plutôt pas trop mal. Là, il n'y a plus rien, là? Attendez. Ok, j'ai bien l'impression qu'il n'y a plus rien. Bon, superbe. Sortie d'une zone. Allez, let's go. Il y a encore des poches de gaz coincées ici et là. Ici et là, c'est gérable. Écoutez, Jacob. Mon Jacob. Aux dernières nouvelles, il était sur le pont de forage avec d'autres survivants. Il a dit qu'il construisait une balise de détresse. Est-ce qu'ils l'ont fini? Il a dit que c'était presque terminé. Mais je n'ai pas de nouvelles depuis... longtemps. Je ne peux pas encore partir. Je dois m'assurer que l'air est respirable. Mais si vous trouvez cette balise de détresse, appelez à l'aide. Je le ferai. Pont de forage, ok. Et si je rencontre Jacob? Dites-lui que je le trouverai. Il est ma priorité. Une okay. Balise de détresse. Quelqu'un a largué toutes les autres. Isaac, il y a un raccourci jusqu'au pont de forage près du poste de crosse. Je l'ouvre. Dieu soit loué, on va peut-être se sortir de ce cauchemar. Allez, effet de serre, petite sauvegarde. Ouh, c'était pas si facile, je vous le dis, les amis. Allez. C'est parti. Ok. Let's go! J'ai l'impression que je peux tout affronter maintenant, les gars. Ok. Impossible de déterminer le niveau d'habilitation. Passe-partout intégral requis. Ah oui, passe-partout intégral. Et je suis passe-partout. Ok. De Fort Boyard, je guide les méchants dans les dragnards. On se concentre, s'il vous plaît. Bon, les munitions, ça part vite. Et le jeu nous laisse littéralement jamais respirer. C'est ça qui est atroce, je trouve. Oh là là. Parce que si vous regardez bien, on enchaîne les boss, on enchaîne les moments difficiles, on enchaîne les morts aussi, hein, mine de rien. Habilitation de sécurité de niveau 3. Le système du pont de forage déraille. Génial. Je m'occupe des ascenseurs. Sauriez-vous où trouver la balise de détresse de Temple? Je vais dans la salle de contrôle de forage. Les tubes de lancement devraient nous permettre d'envoyer une balise. Il y a quelqu'un. Amande? Où êtes-vous? Dans le conduit, en espérant qu'ils m'entendent pas. Ces choses sont partout. Non, les unitologues. Ils sont tous ici sur le banc d'équipage, ils sont freinés. J'en ai vu une planter un couteau dans la tête d'un autre qui est resté là, le sourire en lèvres. Attendez, il dirige quelque part. Amand. Merde. J'ai perdu son signal. Il faut trouver cette balise, Isaac. Et vite. Attendez, parce que là je suis en train de m'amuser avec un truc. Je passe pas là, frère. Qu'est-ce que c'est que ce code? Comment ça, frère?
Comment ça, je passe pas? Oh, il y a quelque chose près de toi. Il faut qu'il y ait une élimination. Passe pas un genre de verrouillage, savez-vous. Les mineurs ont mis du joli matériel sous clé. Ok. Là, je prends. Hey, j'ai que des munitions de trucs de fou, mais pas de trucs utiles, quoi. Putain. Vous êtes des abuseurs. Ouais, je m'en bats les couilles de ça. Attends, j'ai l'impression qu'il va falloir aller sur des toits là presque. Non mais ils mettent toutes les munitions du monde. Les refs, vous abusez là. Il y a des trucs que pour des trucs de fou. Frère, un simple ennemi, je vais devoir le broyer au laser. C'est terrible. Ok. Allez, niveau store. Oh là là. Vas-y, hein, pour l'instant, j'ai rien besoin d'acheter. En vrai, on fait à chaque fois avec les armes qui nous restent. Hein. Mais il y a plein de gens qui m'envoient des messages et qui me disent « B-Boy, j'essaye de le faire en difficile. » Et le jeu, il est grave hardcore. Je suis bloqué. Et respect, hein, respect pour tous ceux qui le font en difficile. Hein. Vraiment, les gars, hein, c'est incroyable. Hein, GG à vous. Hein. GG à vous de fou. Hein. Ok, allez. Normalement, on devrait avoir terminé ce let's play, les amis, quand... Enfin, Resident Evil 3... Resident Evil 4, pardon. Remake devrait sortir. J'espère d'ailleurs que la vidéo vous a plu, évidemment. Alors que tous les systèmes fonctionnent. Je vais essayer de trouver pourquoi. Allez, on va au forage. Encore un sale moment. Hey, j'entends des bruits, mon frère. C'est sismique. Dysfonctionnement de l'alimentation. Veuillez patienter. La fameuse... Wesh, il y a un bug, c'est trop frère. D'accord, ok. Voilà, ça c'est l'étape à la Callisto Protocol. Ah, une tête! Ça dégage. Eh, c'est loin là ton forage de merde, hein. Vous allez pas me faire ça à chaque fois, les gars, hein. Voilà, je préfère. Ok. Ok, il y a des bruits, mon ref. Eh, hey, arrêtez de me donner de la thune, là. Je m'en bats les couilles. Attends, vas-y, approche. Ça, je connais, ça, c'est risqué. On va dire que ça va aller, hein. Oh, j'ai pas vu ça. Chacal. Ok.
Ok. C'est rien, tu vas survivre. Tu vas survivre, moi. Ok. Bon, j'ai peut-être menti un petit peu quand je lui ai dit qu'il allait survivre. Ok. Eh ben écoutez les amis. Oh là, il y a tout ce qu'il faut les gars. Il y a établi. Point de sauvegarde. C'est terrible. C'est terrible. Je vous laisse lire. Et on va s'arrêter là. Waouh, c'est terrible. Allez, lisez entrée, entrée 2, entrée 3. N'hésitez pas à mettre pause évidemment. Entrée 3, entrée 4, entrée 5. Entrée 6. C'est la fin. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée ou matinée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. À bientôt tout le monde. Bye bye.